président Lavry, mesdames et messieurs, nous venons de participer à la création, à la mise au monde, je dirais, d'une fondation, c'est-à-dire une organisation qui a pour but de faire du bien, de faire du bien à la société, de rendre des services à la société, d'aider la communauté ivoirienne tout entière à progresser et à acquérir des choses bonnes pour elle-même et pour tous les autres. Et vous avez conçu cette fondation-là, non pas uniquement comme une fondation ivoirienne, mais comme une fondation panafricaine. Je voudrais vous remercier de m'avoir associé à cette initiative, une belle initiative. Je salue cette initiative parce que il est important que l'on sache que de plusieurs manières différentes, on peut participer à l'évolution, à la construction, à l'édification de sa nation, de son continent, de son pays, de toute l'Afrique, et de façon très positive. Il est important qu'on sache que ce type d'organisation-là peut naître dans nos pays. Pas naître uniquement en Occident, mais peut naître également dans nos pays, exister dans nos pays, faire du bien dans nos pays et à nos populations. Mes félicitations à vous tous qui participez à la naissance de cette fondation. Vous m'y avez associé. Je voudrais vous remercier. Pour moi, c'est un grand honneur. Mais en même temps, je voudrais profiter de tout ce que j'ai vu ce matin-là pour vous féliciter et vous remercier. Parce que ça a été simple. Ça a été vraiment très simple. Mais ça a été bon. On s'est bien amusé. On a bien mangé, on a bien chanté. Je voudrais féliciter d'ailleurs l'équipe de le petit orchestre là qui s'est produit tout à l'heure. Bravo, félicitations. Mon vœu, c'est que cette fondation-là, elle vive et qu'elle perdure et qu'elle démontre qu'en Côte d'Ivoire ici, nous avons des hommes et des femmes qui ont de la suite dans les idées, qui savent où ils vont, qui savent comment y aller et qui savent également mouiller le maillot pour y aller. Bonne chance. Que Dieu vous bénisse. Et que vraiment vous viviez longtemps, 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 que les générations à venir vivent encore ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, là, vivent la suite et prolonge dans la durée toutes ces belles idées que vous avez, tous ces beaux projets que vous avez aujourd'hui. J'ai retenu que vous dites que vous allez créer 1000 entreprises. Hein? Tous les 5 ans. Sur les 5 ans. Non. Je reprends. J'ai dit vous allez créer 1000 entreprises. Et j'ai dit tous les 5 ans. C'est pas tous les 5 ans, c'est tous les 5 ans. C'est-à-dire chaque 5 ans, on va s'asseoir, on va faire le bilan et on va compter les 1000 nouvelles entreprises que vous avez créées. On s'engage là-dessus, alors que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans 5 ans.